Allez, jour 36. Ça fait 36 jours qu'on est parti de Tarnos. Et en route pour de nouvelles aventures avec un ciel plus chargé ce matin. Mais le soleil se lève, juste regardez, hop. On a le soleil qui sort de derrière la montagne. Où on est passé hier. Où on est passé hier matin. Et on a descendu cette pente vers le barrage. Ouais. Oui, il fait chaud ce matin, oui, c'est couvert et il fait chaud. Donc c'est signe que l'air est chaud et orageux. Est-ce que ça va tenir jusqu'à l'arrivée pour nous éviter de prendre les parapluies? Voilà, c'est chargé, chaud, mais pour l'instant ça tient. Alors aujourd'hui on va passer en Galice. Et quand on passe en Galice, ça veut dire qu'on se rapproche de la tombe de Saint-Jacques. On se rapproche. On va redécouvrir la cathédrale. Donc si on y arrive, c'est notre sixième arrivée à Compostelle. En partant de 800, 1000, 1400 km. Les dernières prairies des Asturies. Alors les oréaux, ils vont changer de forme à partir d'aujourd'hui. Les oréaux vont devenir rectangulaires, ils vont quitter la forme carrée. Ces fameux greniers donc, où on mettait aussi bien les récoltes, les céréales que tout ce qui risquait d'être mangé par les bêtes. Donc là, ils ne pouvaient pas monter, il n'y avait pas d'échelle d'escalier qui arrivait jusqu'en haut. Ah, comme je dis sur un commun. Ouais. Ah, les ardoises. Allez, on marchait dessus hier et avant-hier. Et ben voilà, il y en a plein plein. C'est le très lasé des Asturies. Mais c'est la toiture traditionnelle. Mais il y avait du chaume. Manier, quand il est passé, il y avait du chaume sur beaucoup de maisons hein, avant d'avoir les ardoises. D'ailleurs, au Cébréo, c'est des toits de chaume hein, qu'il y a sur les habitations. Ce primitivo nous aura étonné par une chose très visible. Eh bien, en fin de compte, une belle maison là. Alors ce primitivo, il nous aura étonné par une chose. C'est la fréquentation intense en cette saison. Sur la moquette, des vaches. Le passage fait par les pèlerins quand même là, hein. Un passage herbeux, sympa. Ouais, on fait le chemin. Avec nos petits pieds, on couche l'herbe. Et on la coupe parce que, fin de compte, elle est très rase. Une petite chapelle de 18e. Bon, un petit peu refaite quand même, hein. Les peintures ont été refaites depuis. La chapelle de l'Espérance de la Malnera. Si vous voulez créer une auberge, il y a un bâtiment là qui est libre. Il y a encore les fantômes dedans, il y a eu une existence. Les gens ont vécu là. Maintenant c'est une ruine. Alors si vous voulez faire revivre, eh bien il faut acheter. Hein. Ça sent la Galice, ça. Ça sent la Galice. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez sortir? Il n'y a plus rien à manger. Bah oui, apparemment, il n'y a plus rien à manger, là, mais regarde. Ils ont le prêt en contrebas. Non, on ne peut pas passer, je pense pas. Si, c'est ouvert, non? Il y a une clôture. Pas sûr, ouais.
ermitage de San Lazzaro de Padrera, reconstruit en 1689. Un peu de route pour monter l'Alto à Acebo. Et voilà, on est sur les pentes du Alto, ça monte toujours. Alors, remontée pour le Alto, toujours. Ça monte, ça monte. Ah, ça se mérite, hein. Il y a le col, peut-être à 1100, un truc comme ça. 15 km de montée, en fait. Et après, on a 10 pour descendre. Oups, gadou. Gadou. C'est beau. On monte depuis 15 km pour venir au Pico des Acebo. Et on entend le bruit des éoliennes qui tournent au-dessus. On est plus haut que les éoliennes, hein. Alors, j'étais voir les éoliennes et je redescends. Harmonique, comme si j'avais pas assez fait assez de buts aujourd'hui. Je redescends. On voit bien le paysage là. On a de la chance, il fait beau encore. Ce soir il pleut. Voilà, première borne de Galice que l'on voit. 166 pour aller à Compostelle. Depuis la maison. Depuis Tarnos. Ça grade à 10 km. De maison. Voilà, on arrive à Fonsagrada.